quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor. Benjamin m'a fait demander mon aide. Il m'a supplié de l'emmener à l'hôpital. Il m'a dit qu'il soupçonnait quelqu'un qui travaillait là-bas, à l'hacienda. Cette personne était en train d'essayer de l'empoisonner, votre honneur. Vos accusations sont très graves, madame. Je sais. C'est que Monsieur Medina vient juste de me dire que les restes de Benjamin allaient être exhumés pour faire une autopsie. Vous devriez chercher du poison. En tout cas, ça ne me surprendrait pas que vous en trouviez, ne serait-ce que des traces. Dites-moi, qui Benjamin soupçonnait-il? Il m'a dit que c'était un de ses ouvriers, mais je n'ai pas plus de détails. Alessandro Valmonte? Non. Enfin, il ne m'a jamais donné de nom. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je suis convaincue que c'était cette ordure que Benjamin suspectait, j'en suis quasiment sûre. Alessandro était son bras droit, il faisait confiance. Ce que je pense, c'est qu'il l'a probablement tué pour mettre la main sur un héritage qui ne lui serait jamais revenu de droit, votre honneur. Oui, je vois. Mais si Monsieur Almonte vous a demandé votre aide, pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi ne pas l'avoir emmené à l'hôpital? Parce qu'il était déjà trop tard. Benjamin était très malade, son état s'était déjà trop aggravé, il était en train de mourir. J'ai essayé, votre honneur, je vous le jure. Je voulais l'emmener avec moi à n'importe quel prix, mais... Le père Anselmo m'en a empêché. Il m'a mise dehors et j'étais obligée de m'en aller. Pourquoi avoir gardé le silence pendant si longtemps sur une affaire aussi sérieuse? Parce que ce prêtre m'a menacé. Il savait tout sur moi. Il savait que j'étais une femme mariée, très respectée par ici, à Guasul. Je ne pouvais pas risquer que mon mari ou mes enfants ne découvrent que j'avais été la maîtresse d'un autre homme. Pendant tant d'années, votre honneur, je devais penser à ma réputation et à ma famille. Je devais les protéger. Je vois. Et malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. Ma plus grande peur, c'était que quelqu'un ne découvre un jour mon secret. Et Alessandro a fini par le savoir et s'en est servi contre moi pour me manipuler comme bon lui semblait, pour me forcer la main et accepter de le laisser épouser ma fille. Ma petite fille innocente, votre honneur. Je n'ai absolument rien pu faire pour empêcher tout cela de se produire. Non, je n'ai rien pu faire pour empêcher cet homme d'épouser ma fille. Bien. Les valises sont dans la voiture. Merci, Macario. J'imagine que c'est la dernière fois que je vous vois. J'en ai peur, oui. Bien, sachez... Sachez que vous allez beaucoup nous manquer. Je vous souhaite tout le meilleur possible. Et j'espère que votre enfant naîtra en pleine forme, hein. Merci. Bon, alors, Macario... C'est quoi ces larmes? Je sais, c'est un truc de femme. Les hommes doivent être forts. C'est sûrement cette gueule de bois qui met dans cet état.
Vous allez nous manquer aussi. Très bien. 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 Je vais faire un tour à la cuisine, voir si Dominga m'a préparé les chilaquiles que j'ai demandé. Prenez soin de vous. Au revoir. Macario a un grand cœur. C'est un homme bon. Victor, que c'est romantique. Vous partez déjà? Eh oui, mon vieux. On va aller passer la nuit à l'Hacienda. Le pilote doit arriver très tôt demain matin et dès qu'il aura contrôlé l'avion et qu'il aura donné son feu vert, Nadia et moi, on s'en ira. Bonne chance. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et merci à toi. Tu vas énormément me manquer. Je t'en prie. À moi aussi. Je t'aime. À moi aussi. On reste en contact, d'accord? Bien sûr, on reste en contact. Merci. Y a intérêt. Et toi, tu prends bien soin d'elle, surtout maintenant qu'elle est enceinte. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Merci pour toi, Alessandro. On se verra plus tôt que tu ne le crois, Nadia. Ni Montserrat ni moi ne voulons rater la naissance de notre jolie petite nièce. Victoria. Victoria. Allez, on vous raccompagne. Allons-y. Victor Hernandez et la femme de Monsieur Medina viennent juste de se mettre en route. Suis-les. Ne les perds de vue sous aucun prétexte. N'oublie surtout pas qu'il est primordial aux yeux de Monsieur Medina que tout le monde croit à un accident. Oh, Victor, tu n'imagines pas à quel point je peux me sentir libre de tout abandonner derrière moi. Tous ces mauvais moments, toute cette souffrance et cette inquiétude. Mon amour, à présent, tu peux effacer tout ça de ta mémoire. Parce que ce qui nous attend, c'est une nouvelle vie ensemble, comme une vraie famille. Mon amour, je t'aime tellement fort. Je t'aime et je te remercie d'avoir donné un sens à ma vie. Oh non, merci à toi. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait, que je serais aussi heureux. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et plus encore. Je t'aime. Allons-y. Allons-y. Tu voulais me parler? Assieds-toi, s'il te plaît. J'imagine que tu comptes me présenter tes excuses. Pourquoi je ferais ça? Parce que maintenant, tu sais que ce n'est pas moi qui ai parlé. Toutes les informations que Pedro Medina a contre toi, il les a eues grâce à ton ami, l'amant de sa femme. Medina les avait enregistrées depuis le début. Oui, je suis au courant. Mais dans tous les cas, toi aussi, tu as parlé à Pedro Medina. Tu comptes le nier? Sandro et toi, vous lui avez demandé de vous aider à me voler l'héritage de non, mon père. Non. Je n'ai pas essayé de voler quoi que ce soit. Je récupère seulement ce qui est à moi. Je ne suis pas responsable de la décision de mon père de modifier son testament. Mon oncle Benjamin ne m'a jamais enlevé de son testament, Alessandro. Je suis sa seule héritière. On a déjà parlé de tout ça. Mon père a modifié son testament avant de mourir. C'est ce que tu as fait croire à tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. De quoi tu parles? Sandro et Pedro Medina ont de fortes suspicions. Ils sont persuadés que le testament que mon oncle était censé avoir modifié avant de mourir est complètement faux. C'est un mensonge. Et ils pensent aussi que tu n'es peut-être même pas le vrai fils de Benjamin. C'est pour ça que tu as choisi Pedro Medina, n'est-ce pas? Parce que tu sais qu'il me déteste et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour me détruire. Écoute. Quand je suis arrivée à Guasul et que j'ai découvert que j'avais un cousin dont je n'avais jamais entendu parler, j'étais en droit d'avoir des doutes, non? Alors j'en ai parlé à mon avocat et c'est lui qui m'a conseillé d'aller demander l'aide de Medina. Mais oui, bien sûr. Et pendant ce temps-là, t'es resté ici et t'as interrogé tous les gens que je connais pour voir ce que tu pourrais utiliser contre moi. Qui t'a dit que ma mère avait été en prison? Macario. Et est-ce qu'il t'a aussi dit que mon père l'avait violée? Non, pardonne-moi, mais je ne crois pas que Benjamin aurait été capable de... Tu n'as absolument aucune idée de tout ce que ma mère a pu traverser. Ni de la honte et de l'humiliation qu'elle a subie quand ils l'ont interrogée au tribunal. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu sortes de chez moi. D'accord. Mais très bientôt, Alessandro, celui qui devra prendre ses affaires et partir d'ici, ce sera toi. Tu vas enfin pouvoir te réjouir, Montserrat.
Ton mari m'a jetée dehors. Tu t'attendais à quoi après tout ce que tu as fait pour essayer de lui voler son héritage? Tu es terrifiée à l'idée qu'il perde tout, n'est-ce pas? Il y a une rumeur qui court dans tout Agua Azul comme quoi tu l'aurais épousé pour son argent. Tu ne devrais pas écouter ce que les gens disent. Qu'est-ce que tu vas faire quand Alessandro se retrouvera sans un sou, hein? Ça n'arrivera pas. Est-ce que tu vas le quitter pour ensuite courir dans les bras de José Luis Alvarez? Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu n'es qu'une croqueuse de diamants, Montserrat. Angelica a laissé ce pauvre homme crouler sous les factures. L'argent n'a jamais été ma préoccupation. Permets-moi d'en douter. Je sais parfaitement reconnaître les petites arrivistes comme toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? José Luis me plaît, d'accord? Il me plaît même beaucoup. Oui. J'ai bien remarqué la manière dont tu lui faisais des avances. Tu es jaloux? Non, pas une seconde. Cet homme sera à moi un jour. Je te le laisse. Tu penses qu'il va me laisser rester chez lui maintenant que je n'ai nulle part où aller? Pauvre chéri. Il est tout seul maintenant. Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait se tenir mutuellement compagnie. Qu'en penses-tu? José Luis est en prison. En prison? Ah oui. Qu'est-ce que tu attends pour déguerpir de chez moi? Très bien. Mais je te préviens, plus vite je sortirai de cette maison, plus tôt je serai de retour. En tant qu'unique propriétaire. Je peux passer? Monsieur Medina vous envoie un message. Vous pouvez me laisser passer? Il tient à vous rappeler que vous n'auriez jamais dû le trahir. Allez-y, les gars. Ça suffit! On se casse! Hey. Les choses se sont pas déroulées comme prévu, Maria. Au lieu de s'entretuer l'un l'autre, Ezequiel et mon beau-frère sont presque devenus des meilleurs amis. Pedro va même le soutenir dans sa carrière politique. Je suis sûr qu'Ezequiel a déjà commencé à tout faire pour se débarrasser de moi. Tu vas devoir être très prudent, Adolfo. Ezequiel est le seul qui aurait pu lui dire que c'était moi qui avais volé le testament d'Alessandro. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mieux, c'est que je disparaisse quelque temps. J'ai assez d'argent de côté pour partir un bout de temps. Il faut que je parte avant que mon beau-frère... avant qu'il ne me tue pour lui avoir volé ce testament. Oui, je pense que c'est mieux. Maria, viens avec moi. Je veux pas partir tout seul, je sais pas comment vivre seul. Non, Adolfo. Tu sais très bien que ma place est ici, près d'Alessandro. Où comptes-tu aller? Au Brésil. Je pense que je vais retourner à Rio. Tu adorerais cet endroit, je t'assure. Tout le monde est joyeux, ils font la fête tous les jours. On va bien s'amuser. N'y réfléchis pas. Viens avec moi. Je t'ai déjà dit que non. Alessandro s'en fiche de toi. Tu te trompes, crois-moi. Tu aurais dû voir son regard quand il me regardait danser. Je sais qu'il m'aime encore beaucoup. Je suis sûre qu'il va vite revenir ici à la Escondida pour me regarder danser. C'est une chose qu'il t'apprécie comme n'importe quel autre homme. Mais crois-moi, c'est tout autre chose qu'il ressente un truc pour toi. Et lui, il ne t'aime pas, Maria. Tu ne m'aimes pas non plus, Adolfo. Et puis, je sais qu'un jour je le récupérerai. Je te jure qu'un de ces jours, il sera à moi. Ça n'arrivera jamais, Maria. Il faut que tu comprennes que ça n'arrivera pas tant que Montserrat sera sa femme. Comment est-ce que tu comptes faire? Je sais ce que j'ai à faire. Il est grand temps que je suive le conseil que m'avait donné mon oncle Ruventino. Ouais, c'était quoi ce conseil? Tu as ce que je t'avais demandé? Voilà. Et le pistolet? Je t'avais demandé une arme. Pourquoi t'en as besoin? Parce que je me sentirais plus en sécurité avec une arme. Comme ça, je pourrais me défendre si ton beau-frère découvre que je suis vivante. Tu sais t'en servir?
Mon oncle m'a appris à tirer quand j'étais toute petite. Tu t'en vas quand? Aujourd'hui. Maria, j'espère que tu pourras me pardonner pour t'avoir tiré dessus. Tu es pardonné. Tu sais, si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Au revoir. Bonne chance. À toi aussi. Et merci pour tout. Bon voyage. Je savais que je te trouverais ici. Hé, je ferais pas ça si j'étais toi. Monte dans la voiture, ton beau-frère veut te parler. Allez, dépêche. Monte. Tu conduis. Doucement avec les vitesses. Fabiola est partie ? Oui, enfin. Tant mieux. Mon amour, tu as l'air de t'inquiéter. Non, ça va aller, t'en fais pas. C'est ce que tu dis toujours, mais je sais très bien qu'au fond, tu t'angoisses énormément. Alessandro, tout ne va pas bien. Tout se complique, et ça se complique très vite. Non, le plus important dans tout ça, c'est qu'on soit ensemble. Oui. Et nous serons toujours ensemble, mon amour. Toujours. Mais j'aimerais beaucoup que tu partages tes sentiments et tes peurs avec moi. Parce que c'est pas facile pour moi de toujours devoir deviner ce que tu penses. S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui t'inquiète autant. Dis-moi, Montserrat. Si ça se passait mal, si je perdais tout ou si quelqu'un me prenait tout ce que j'ai et que je finissais sans le sou, complètement pauvre, tu resterais avec moi? Je t'aime, Alessandro. Et il n'y a que la mort qui me séparera de toi. Eh bien, vous avez dépassé toutes mes espérances, Graciela. Grâce à vous, Alessandro va non seulement perdre son héritage et être accusé d'imposture, mais en plus, il sera accusé de meurtre. Combien est-ce que vous allez recevoir de Sandro et Fabiola quand tout ça sera terminé? Rien, pas un seul centime. Je vous en prie, Pedro, arrêtez de me prendre pour une idiote. Il y a énormément d'argent en jeu. Écoutez, Graciela. Croyez-le ou non, je fais cela simplement pour le plaisir de détruire Alessandro. Pourquoi vous le détestez autant? Eh bien ça, ma pauvre, ça ne vous regarde pas. Ne soyez pas grossier, Pedro. N'oubliez surtout pas que je ne vous dois plus rien. C'est exact, en effet. Mais dès que le procès commencera, vous allez être appelé à témoigner à la barre. C'est votre témoignage qui va envoyer Alessandro en prison. Ne comptez plus sur moi, mon aide s'arrête ici. À moins que vous ayez envie de vous asseoir pour renégocier. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas été la maîtresse d'un vieil homme dégoûtant toutes ces années, pour finalement me retrouver sans un sou, Pedro. Vous voulez une part de l'héritage? Ce serait normal, non? Oui, très bien. Je ne pense pas que ce sera un problème, je vais demander à Sandro de venir pour que vous puissiez vous mettre d'accord. N'oubliez pas de lui préciser qu'il n'est pas vraiment en droit de refuser. Je vais l'attendre ici. Bien. C'est clair, Pedro? Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici, Fabiola? Alessandro m'a jeté de chez lui et je n'ai sûrement pas l'intention d'aller dormir à l'hôtel. Tu ne vas pas me mettre dehors. Tu es ma marraine, Amelia. Oui, oui, je le suis. Uniquement quand ça t'arrange, quand tu as besoin de moi, c'est tout. Je te promets que je ne resterai pas longtemps, jusqu'à ce que je gagne le procès et qu'on me rende mon héritage. Bref. Où est Virginia? J'aimerais beaucoup la voir. Virginia n'est pas là. Après le décès d'Angelica, sa marraine a proposé de l'emmener en voyage et elle a accepté. Ça lui fera du bien de se changer les idées. C'est ce que je crois aussi. Pourquoi tu ne m'as pas dit que José Luis était en prison? Parce que je ne pensais pas avoir à t'en faire part.
Pourquoi il t'intéresse tant ? Angelica m'a demandé de ne pas le laisser seul. Elle m'a demandé de devenir son amie et de lui tenir compagnie. Je le lui ai promis. Fabiola, fais très attention à ce que tu vas faire. N'oublie surtout pas que José Luis est le mari de ma fille. Arrête, Angelica n'est plus ce monde. Et José Luis est célibataire maintenant. Je veux savoir ce que tu comptes faire une fois que tu auras eu la part de l'héritage de ton oncle. Non, pas une part. Moi, je veux